Ici Ben Burke. Écoutez-moi. Je sais pas si vous êtes sorti du recyclage. Je sais même pas si vous m'entendez. Mais si vous m'entendez, rejoignez-moi à la gare. Je vous attends. Soyez prudents. Ensemble, on pourra s'en sortir. Le DT se connecte directement à votre interface neurale et... voilà! Vous êtes à la plage à Rio ou... au carnaval de la Nouvelle-Orléans? Peut-être que si je les coupais... Ah, c'est inutile. Peut-être que si je les coupais... Fais chier, pas encore. Allez vous faire mettre. Je vous jure, je... Hé hey. Mais vous êtes normal, en fait. Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez un de ces fêlés. J'en ai déjà croisé une douzaine aujourd'hui. J'ai toujours attiré le mauvais genre de mec. Alors, vous allez me dire qui vous êtes? Vous croyez que je donne mon numéro au premier venu? Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je m'appelle Irina, ingénieure qualifiée. Et battante, apparemment. Vous cherchez quelque chose? Mais quel petit curieux. J'essaie juste de trouver un truc qui m'aidera à rester en vie encore un peu. Un bon bâton. Qui ne tombe pas en miettes, au cas où quelqu'un aurait besoin d'une bonne raclée. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, mais quel chevalier servant! Je pourrais me le procurer toute seule, mais vu que vous le proposez... Et si je vous disais que j'ai ce dont vous avez besoin? Tous ceux qui m'ont dit ça m'ont déçue, mais je suis partante. Bon, voyons ce que vous avez. Ce tuyau, ça irait? À peine. J'espère que ça n'était pas tout votre arsenal. Ça m'ennuierait que vous vous blessiez. Je me suis peut-être trop avancé. Désolé de vous décevoir. Je suis sûre qu'on a déjà été déçus tous les deux. Vous savez ce qui se passe ici? Oui, cette compagnie a enfin réussi à effacer les derniers vestiges d'humanité en nous. Apparemment, on est des petits vénards. On n'est pas raide mort et notre cerveau n'a pas grillé. Enfin, pas encore. Alors c'est quoi cette histoire de bâton? Je pourrais vous retourner la question. Mais on dirait que rester assis, ce n'est pas notre truc. Je n'ai jamais aimé les robots recycleurs. Je les ai toujours surveillés du coin de l'œil, même avant tout ce bordel. Il est temps de les arrêter et de les envoyer à la casse pour de bon. Il faut que j'y aille. Juste quand on commençait à faire connaissance. Vivez 2 semaines de vacances en moins d'une heure avec des dés. Allez où?
L'aide n'est jamais venue. Ça fait plus d'un jour maintenant, et rien. Elle répond pas quand j'appelle. C'est de pire en pire dehors. Les bruits me fichent la trouille. Je les entends, mais... au moins, les hurlements ont cessé. C'est une bonne chose. Mais il reste les autres bruits. J'ai vu un type qui était dans un sale état. Mais il semblait savoir ce qu'il faisait. Il allait vers la direction. J'aurais peut-être dû aller là où elle me disait. Créo, ce n'est pas nous. C'est un style de vie. Ici, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un. Quelqu'un de spécial. Chez Créo, nous nous soucions de votre bien-être, à la fois dans le corps et dans l'esprit. Hey ! Vous n'êtes pas censé me trouver un bâton ? Et si je vous disais que j'ai ce dont vous avez besoin? Tous ceux qui m'ont dit ça m'ont déçu, mais je suis partante. Bon, voyons ce que vous avez. Celui-ci vient avec les compliments de la sécurité de Créo. Un argument frappant dans toute négociation. Vous, vous savez comment me faire plaisir. Je vous suis redevable. C'est bon de voir que la courtoisie existe encore. Il faut que j'y aille. Juste quand on commençait à faire connaissance. Pourquoi payer pour les abonnements à la salle de sport ? Ne devriez-vous pas être à votre poste ?